Salut les amis, une petite vidéo que je vous fais d'un café pour changer un petit peu et tout simplement pour changer un petit peu l'environnement et ne pas être toujours enfermé entre quatre murs chez moi. Alors, le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est en fait comment s'installer au Maroc et gérer la culture marocaine. Alors quand je dis culture, c'est majoritairement, la culture ça veut dire ce que ça veut dire. Donc comment gérer la différence de culture entre l'Occident et le Maroc. Bon, je parle du Maroc parce que moi je suis au Maroc, hein, mais ça peut être n'importe quelle autre culture. Donc, pour la petite histoire, il y a beaucoup de personnes, beaucoup parmi vous qui me contactent. La première chose qu'ils me disent, c'est « Mais comment tu fais pour gérer la mentalité qui est complètement différente au Maroc ?» Alors, je vais vous dire, on va reprendre un petit peu, c'est exactement ce que je dis un petit peu dans les autres vidéos, les premières vidéos. Quand je vous dis que vous souhaitez, quand je vous conseille de vous installer au Maroc, la première chose que je vous dis, c'est sachez pourquoi vous le faisiez. Sachez vraiment pourquoi vous voulez vous installer au Maroc. Parce que si vous ne savez pas réellement l'objectif de l'installation, le moindre petit truc, ça va être galère. Donc maintenant, pour revenir au sujet principal, comment on fait pour gérer la différence de culture entre la France, par exemple, parce que moi j'étais en France, et le Maroc? Je vais vous donner des éléments très simples et on va prendre des exemples concrets. Par exemple, au Maroc, quand vous donnez rendez-vous à quelqu'un, vous lui dites 15 heures. Déjà, selon les régions, l'heure, c'est problématique. Je vous prends un exemple très concret. Si vous allez au nord du Maroc, Tanger, Tétouan, toutes les régions du nord du Maroc, quand vous dites, vous donnez rendez-vous à quelqu'un à 14 heures, vous pouvez être sûr que la personne va se pointer à 17 heures. Et c'est sincère ce que je vous dis. Ceux qui sont partis à Tanger, qui ont eu affaire à des Tangérois ou des Tétouanais, ont eu ça. C'est-à-dire que déjà, il faut savoir qu'au nord du Maroc, la mentalité est telle qu'ils travaillent à partir de la fin d'après-midi et travaillent même jusqu'au soir, 22h, 23h, sans aucun problème. Mais par contre, le matin, il faut oublier quoi. Je parle bien sûr, je ne parle pas par exemple de tout ce qui est administratif et tout. Tout ce qui est administratif, bien sûr, il commence à 9h, etc. et finissent à 15h. Mais en dehors de tout ça, tout ce qui est restauration, tout ce qui est boutique, etc., tout ça, ils commencent à partir de début d'après-midi et ils finissent très tard le soir. Donc, un autre exemple, vous êtes au nord, vous êtes en train de faire des travaux, vous êtes en train d'aménager votre maison, faire des travaux dans votre maison. Vous avez acheté un bien et vous êtes en train de l'aménager. Vous avez besoin donc des fournisseurs pour qu'ils vous ramènent des meubles ou qu'ils vous fassent la peinture, des travaux de chez vous. Eh bien, dites-vous que si vous donnez 1h, 10h, 11h, la personne va se pointer. Vous avez de fortes chances que la personne se pointe à 15h, 16h, 17h. Pire que ça, il se peut que la personne ne se pointe pas, mais elle ne vous le dise pas. Ça, c'est des trucs à gérer. Alors, encore une fois, il ne faut pas prendre tout au premier degré et s'énerver. Vous savez très bien que nous-mêmes, en tant qu'étrangers, en tant que Français, en tant que Belges, en tant qu'Anglais, en tant qu'étrangers, nous avons aussi notre mentalité. Donc, de la même manière qu'on espère que les autres soient tolérants envers notre culture, il faut que nous, on soit tolérants envers la leur. Il y en a qui vont me dire, oui, non, mais attends, toi, t'es bien gentil, mais bon, quand on donne 1 heure, il faut la respecter. Oui, ça, c'est chez nous. Vous allez voir, par exemple, en Allemagne, ils sont encore plus assidus sur l'heure que les Français. C'est pas un secret, c'est très connu. Donc, alors là, qu'est-ce qu'on va dire? Les Allemands, ils vont parler des Français, ils vont dire, non, mais eux, ils connaissent pas, ils sont pas à l'heure. Oui, donc tout est relatif. Moi, c'est pour ça que je vous dis, quand vous allez au Maroc et que vous êtes confronté à ce genre de, entre guillemets, problème, soyez tolérants et soyez ouverts. Ça veut dire, comprenez qu'il y a l'histoire du Maroc et l'histoire d'un pays a un grand impact sur la culture, sur les habitudes des gens. Vous ne pouvez pas, vous, venir avec votre culture française ou étrangère ou autre, dire « Ah non, moi c'est comme ça, il faut que ça se passe comme ça ». Non, ça c'est bien en théorie. Mais en pratique, c'est vous qui venez vous installer chez eux, c'est à vous de vous adapter. Donc maintenant, je ne vous dis pas de les conforter dans leur manière de faire. Non, pas forcément. Mais tout est à faire avec diplomatie. Il y a une règle d'or que j'applique depuis que je suis au Maroc, c'est de gérer tout le relationnel avec diplomatie. J'ai appris à ne pas être frontal. Même si vous me voyez, moi, dans ma manière de faire, je suis assez directive, etc. Mais quand je gère les difficultés avec les gens, je fais mon maximum pour être très diplomate. Ok, donc ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne. 1. Soyez tolérant. 2. Soyez diplomate quand vous voulez gérer les choses. Donc moi, je voulais parler du nord du Maroc. Maintenant, quand vous allez à Casablanca, parce que moi, j'y suis, quand vous allez à Casablanca, c'est beaucoup plus...
on est beaucoup plus proche de la France, hein, beaucoup plus Paris, beaucoup plus, voilà, beaucoup plus moderne, beaucoup plus occidental. Donc on n'a pas tant ce problème d'horaire. Il y aura peut-être 5, 10 minutes de retard. Mais concrètement, quand vous donnez une heure, c'est une heure. Là, ils sont très à cheval sur l'heure. OK ? Alors, en dehors de ça, comment vous gérez... moi, je vais vous dire, par exemple, un problème que j'ai. C'est pas un problème que j'ai, mais une différence monumentale de culture qu'il y a entre les Occidentaux et les Marocains, par exemple. Bon, c'est la culture, c'est comme ça. Au Maroc, il n'y a pas trop... La ligne de confidentialité, ils ne connaissent pas. Je prends un exemple concret. Vous allez au supermarché. Vous allez dans le rayon... je sais pas, vous allez au supermarché, vous allez dans le rayon des fromages. Vous allez avoir un Marocain, une Marocaine qui va se présenter à côté de vous, qui va vous dire « Ah, mais que, vous prenez-vous un fromage ?» La personne va vous dire « Ah, il est bon ce fromage ?» Jusque-là, rien d'anormal. Vous dites « Oui, oui, il est bon, moi je l'aime bien et tout, etc. » Ça, ça arrive. Et bien là, ce qui va se passer, c'est que la personne, si elle va voir que vous êtes sympathique, ben, elle va commencer à vous dire « Ah oui, mais comment vous cuisinez avec quoi vous ?»« Ah ouais ? Ah d'accord. » Et après, à partir du moment où vous engagez ce genre de discussion, c'est-à-dire échanger ne serait-ce qu'une recette de cuisine, et bien la personne, vous en rendez compte parce que vous n'avez pas l'habitude qu'on fasse ça, mais la femme, par exemple, va vous dire « Ah ouais, mais vous habitez où ? Ah ouais, ah c'est sympa là-bas, d'accord. Dans quel quartier ? Ah ouais, d'accord. Ah, et qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Moi, il y a plein de personnes, je ne connais pas ces gens-là, et à peine il suffit que je discute avec elles, ou je ramasse un papier, ou alors je donne une information, ou je partage ne serait-ce que quelque chose d'anodin, la personne automatiquement me dit « Mais qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Ah ouais, mais vous habitez où ? Ah, et vous êtes mariés ?» Et attention, je ne vous dis pas, ce n'est pas forcément les hommes, hein. C'est les hommes et les femmes. Ils adorent savoir ce que vous faites de votre vie. Les Marocains sont très curieux de nature. Ils aiment savoir tout, 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 tout. Donc, encore une fois, ce n'est pas parce qu'ils aiment tout savoir que vous allez donner les infos. Donc là, il faut stopper, il faut mettre une barrière. Vous stoppez, merci, au revoir. Mais, encore une fois, il ne faut pas réagir de manière agressive. Il faut être très diplomate, très courtois, mettre une ligne de confidentialité et vous en allez. Donc, moi, c'est ça. Je vois qu'il n'y a pas de vie privée. Les Marocains ne connaissent pas la vie privée. Dès qu'ils vous voient, dès qu'ils partagent un petit peu de leur temps avec vous, ils vont tout de suite faire tout pour savoir ce que vous faites de votre vie au quotidien, avec qui, où vous travaillez, combien vous gagnez, etc. Tout est une question de gestion et de diplomatie. Donc voilà, donc je reprends, je vous ai dit tolérance, diplomatie et placer une ligne de confidentialité directement pour ne pas vous retrouver ensuite dans des petites galères que la personne va vous dire « Ah non, mais on a échangé, on a parlé, mais c'est bon, je te connais. » Non, non, tu ne me connais pas. Donc, vous mettez une distance et au moins, vous pourrez gérer au mieux vos projets au Maroc. Alors ensuite, concrètement, comment gérer la culture du Maroc sur le long terme ? Déjà, il faut vous dire, gardez toujours en tête que les gens que vous côtoyez au Maroc n'ont pas eu votre chance. Ça, il faut vraiment l'intégrer. Vous avez eu la chance d'avoir une famille, vous avez eu la chance d'avoir fait des études, vous avez eu la chance d'avoir l'expérience que vous avez eue, vous avez eu la chance de voyager, etc. etc. Il y a des gens qui n'ont pas cette chance. Vous, si aujourd'hui vous êtes né en Europe ou ailleurs, c'est pas vous qui l'avez décidé. On est bien d'accord là-dessus. Eux, s'ils sont nés ici, c'est pas eux qui l'ont décidé. Attention, je suis pas en train de dire que les Marocains c'est un pays misérable. Non, non, sinon j'y serais pas. Mais ce que je veux vous dire, c'est que nous avons pas tous les mêmes expériences et le même vécu. Donc c'est la raison pour laquelle je vous dis, mettez beaucoup de tolérance quand vous êtes avec les gens au Maroc. N'oubliez pas, gardez toujours en tête, c'est vous l'étranger, c'est à vous de vous adapter. Ok ? Si vous voulez au mieux réussir votre intégration, il faut vous donner du temps. Parce que quand vous allez vous donner du temps, c'est avec le temps que vous allez construire votre quotidien. Vous allez construire votre entourage, vous allez construire vos amis, vous allez vous faire des amis. Et tout ce petit monde-là que vous allez construire autour de vous, eh bien, tout ce petit monde-là va vous correspondre à vous. C'est-à-dire que vous allez côtoyer les endroits qui vous correspondent. Par exemple, je prends un exemple. Donc là, je suis dans un café que je trouve super top. Donc, vous avez vu la décoration un petit peu vintage et tout, des années pop, j'adore. Et je vais vous retourner la caméra, comme ça vous voyez comment il est le café, j'aime trop. Vous voyez un petit peu le style de la déco là du café. C'est un peu vintage et tout, et ça c'est classe, c'est propre. Bon, je me suis fait plaisir, hein, j'ai pris une petite gaufre, un petit cappuccino. Vous voyez là la déco un petit peu décalée. Bon, tout ça pour vous dire que ça c'est à vous de le construire. Donc, quand vous construisez votre entourage, vous construisez vos endroits, vous construisez vos amis, quand vous construisez tout ça, tout ce petit environnement, ça y est, vous avez pris vos marques, vous avez pris vos repères, il ne vous reste plus qu'à apprécier le pays. Vous voyagez, vous faites vos voyages dans les villes que vous voulez, et ça y est les amis.
Donc, mais tout ça demande du temps. Ne vous dites pas que je vais venir en janvier, en février, c'est bon, j'aurai la belle vie. Non, ça ne se fait jamais comme ça. Un bébé, quand il naît, il n'a pas 15 ans du jour au lendemain. Il devient petit, il grandit petit à petit, petit à petit. Tout se fait petit à petit. Il n'y a pas une seule chose qui se fait d'un coup. Rien. Votre richesse, quand vous la construisez, vous ne créez pas une société lundi et mardi, vous êtes riche. Non, ça n'existe pas, ça. Tout se fait avec du travail, de la persévérance et surtout du temps. C'est pour ça que je vous dis, donnez le temps au temps, déjà. Soyez tolérant, soyez diplomate avec les gens, mettez en place une ligne de confidentialité avec les Marocains et vous verrez, soyez gentil et vous verrez que si vous êtes optimiste et positif, le Maroc a beaucoup à vous offrir. Voilà les amis, c'était une petite vidéo pour beaucoup de personnes qui m'avaient demandé comment gérer la mentalité et la différence de culture au Maroc. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Je vous revois dans la prochaine vidéo. Salut!